Bonjour et bienvenue au Festival de la bande dessinée franco-belge de l'Ouest américain. Boom! Je suis Sylvie-Joseph Julien, directrice de l'association Made in France et organisatrice du Festival BD Boom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture de cette seconde édition, édition itinérante, puisque nous irons virtuellement à San Francisco, Sacramento, Virginia City et Seattle afin d'y suivre la diligence de Lucky Luke et d'y fêter ses 75 ans. Alors pour la petite histoire, l'idée de ce festival a émergé en 2018 à l'occasion de la tournée de l'artiste de bande dessinée Jean Bastide, actuel dessinateur de la série Boule et Bill notamment et de la série Idéfix, le chien d'Astérix. Et épaté par le succès local de la bande dessinée, Jean et moi avons donc décidé de créer ce festival de bande dessinée à Seattle. Celui-ci a pris de l'ampleur dès son lancement en 2020 et est devenu aujourd'hui le festival BD de la côte ouest américaine. Alors je profite de ce moment pour remercier nos sponsors et nos partenaires qui pour cette édition sont le Consulat général du Canada à Seattle, l'association FSAC de Sacramento, l'association France Éducation Nord-Ouest et Lucky Comics. Et je passe la parole aux deux consuls qui nous soutiennent, Mia Yen, la consul générale du Canada à Seattle, et Frédéric Young, le consul général de France à San Francisco. C'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de participer au lancement de cette deuxième édition du festival de la BD de Seattle et de pouvoir ainsi faire rayonner la culture pluraliste et diversifiée du Canada à l'international. Comme vous le savez, le Canada se liste dans le monde artistique francophone, que ce soit au niveau de la musique, du cinéma ou de la littérature. Et la bande dessinée canadienne est de mieux en mieux connue, ajoutant à la richesse et au dynamisme de notre production artistique. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir avec l'entrain de la BD canadienne tout au long de ce festival. Vous serez entre bonnes mains avec la participation de plusieurs artistes et experts franco-canadiens, tels que Julien Paré-Sorel, Jacques Goldstein, Louis Anctil et Laurent Boutin. Je remercie les organisateurs et partenaires, en particulier l'organisation Made in France et mon homologue, le consul général de France, Frédéric Young. Bon lancement! Bonjour à tous. Je suis Frédéric Young, consul général de France, et comme ma collègue canadienne qui vient de s'exprimer à l'instant, je voudrais saluer tous les participants à cette nouvelle édition du Festival de la bande dessinée Boom, ici à Seattle et bien au-delà. Je veux aussi saluer tout le travail qui a été effectué par l'association Made in France et par sa directrice Sylvie Julien-Joseph. Je sais que toute l'équipe a vraiment travaillé pour permettre que ce festival ait lieu. Il devait avoir lieu d'abord en personne, malheureusement, en raison des contraintes que nous connaissons. Nous sommes à nouveau en vidéo, mais je suis certain que bientôt, nous pourrons nous retrouver pour une prochaine édition en personne. L'univers de la bande dessinée, c'est un univers qui nous transporte tous, les petits et les moins petits comme moi, à travers des scénarios, des aventures sans fin. Et c'est aussi un vecteur formidable que ces petites bulles, un vecteur de la francophonie. Et donc bravo encore une fois à tous, à Made in France pour cette nouvelle édition du Festival Boom. Je vous souhaite à tous donc un très heureux festival et à bientôt. Je voudrais remercier Mia Yen, la consul générale du Canada à Seattle, et Frédéric Young, le consul général de France à San Francisco, pour leur soutien. Alors il est temps maintenant de vous parler de l'organisation du festival qui va se décliner autour de trois thèmes, le dessin de presse, le western et la francophonie. Au programme, des rencontres, des ateliers en ligne, un grand concours international de BD réservé aux jeunes et des expositions lancées à l'occasion de ce festival.
En ce qui concerne les artistes, nous avons la chance d'avoir un invité d'honneur qui n'est autre que le dessinateur de presse Pascal Gros, qui nous a beaucoup aidés et soutenus dans l'organisation du festival. Il vous a préparé quelques mots. Je lui laisse donc la parole et vous retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Pascal Gros et je suis dessinateur de presse. Je participe cette année au Festival BD de l'Ouest américain. J'espère que vous serez nombreux à vous connecter. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation, la liste des artistes et tout un tas d'informations, de jeux et de suggestions BD sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Je voudrais enfin remercier les membres très actifs de l'équipe Boom, Audrey, Sandrine, Léna, Romain et Pénélope, sans qui cette seconde édition du festival n'aurait jamais pu exister. Merci à tous d'être là et de nous soutenir. Et bon festival à tous! Thank you.